Bonjour tout le monde, c'est Iti. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte d'un zoo. Et dès que j'ai vu ce zoo, j'ai sauté dessus. Peu importe qui il est ou quoi que ce soit, je ne sais pas qui il est, cette personne, je la connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, ni des lèvres, ni des dents. Je l'ai pris tout simplement parce que... c'est dans la neige, oui. J'ai tellement peu de zoos qui sont faits dans la neige en mode hiver. Et punaise que c'est joli. Attends, c'est de... Nordic Entrance Gate, ok. Entrance Building Rate, ok. C'est terriblement joli, c'est du planezo, mais c'est très beau. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour le voir. C'est Zoo of Tuwa, un zoo qui a été fait par Chrissy Peterson. Et je ne sais absolument pas ce que c'est marqué, puisque c'est marqué en allemand, je crois. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour le voir puisque c'est un zoo sous la neige. Et je voulais voir ça. Alors, est-ce que tout est de planezo? Non, ça va. Donc, on va voir directement à quoi s'attendre. Déjà, on a un enclos pour les cygnes qui a l'air très sympa. Pourquoi tu veux pas des canards, planezo? Oh, ici pour manger à l'abri. Ouais. Oh, le petit bon est tout mignon. J'en faisais des comme ça aussi. La maison... ok. Donc à mon avis, il y a du stuff de Planezo, mais aussi il y a des créations de cette personne. Donc je vais pas cliquer sur toutes les créations pour voir si c'est Planezo ou pas. Par contre, avec la neige, ouais, c'est le... ici, c'est le staff. Ok. Avec des petits sapins, regardez ça. Donc un enclos cygne, franchement il est mignon. Je l'aime bien, je l'aime bien. Il est très sympa avec cette neige. Ça change. Faut pas croire, hein, mais la neige ça donne un petit plus quand même dans vos créations. Hein. Ça donne une ambiance et tout. Faut pas l'utiliser simplement parce qu'il y a Noël qui arrive ou quelque chose comme ça. Hein. Ok, la petite place pour manger, se restaurer, acheter. Avec en son centre un petit vivarium pour nos salamandres. J'en vois deux là. Undos. Est-ce qu'il y en a autre part ou pas? Ouais, là, 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 là. Je l'ai vu du coin de l'œil. J'ai une salamandre chez moi. Mais j'y touche pas. On n'a pas le droit de toucher aux salamandres. C'est interdit. Enfin, je crois. Et du coup, en fait, j'ai la salamandre, elle a élu domicile. En fait, au niveau du... vous savez, là où où les gens récoltent... Enfin, prennent les données pour la consommation d'eau. Bah, le mien est sous terre. Donc, voilà. Avec une petite... en fait, avec la chaleur, le froid, etc. Le couvercle, il est ondulé comme ça, ce qui fait qu'il y a que là, il y a des petites bestioles qui peuvent passer. Et du coup, bah, elle est passée. Une salamandre, elle est toute noire. Quand j'ai vu ça, je vais... ah, ok, bah, je vais te laisser tranquille. Fais ce que tu veux. Donc voilà. On a des escargots, là. Ok, c'est pareil, j'ai vu... vous savez que je voulais des escargots aussi, des escargots géants. J'en voulais deux. Mais non, faut pas. Je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait des escargots géants sur TokTok. Et la personne devait enlever des œufs quasiment toutes les semaines. Autrement, il pouvait avoir jusqu'à 100, entre 150 et 500 œufs, un truc comme ça. Qui se transforme en petit escargot, vous vous rendez compte? Et on peut pas les libérer dans la nature ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Donc... j'ai pas envie d'avoir un escargot seul, pour pas qu'il se sente seul. Du coup, j'en prends pas, voilà. Alors, ici, nous avons le blaireau. Oh, avec un petit effet, ok. Bah, et c'est qu'il y a la terraformation là-dedans, dis donc. C'est pas trop, trop mal. C'est plutôt bien, même, avec les petits détails. Oh, on applaudit le champignon, s'il vous plaît, monsieur, dame. Les... oh, attends, attends, quoi. Ah. Ça, c'est peut-être du workshop.
Les champignons avec des œufs, ça c'est hyper intéressant. Ah, oh, je vais faire toute une. Ah, oh, ouais, je vais faire toute une série de champignons avec des œufs. C'est joli ça. Et il a décoré un peu l'intérieur, ok. C'est pas mal. Alors là, il y a un truc qui me fait rire, c'est que les gens ils ont froid. Mais c'est sous la neige. Est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre les allées chauffées à chaque fois pour les gens? Ça serait dommage. Ici, on a quoi? Oh, on passe dans un monde un peu tropical, j'ai l'impression. Alors pour moi, c'est des jacinthes d'eau, donc c'est censé être dans l'eau, mais ok. Avec donc l'ours Lipu. J'allais dire l'ours Tibu, je sais pas pourquoi. Ok, un petit zoo à l'abri de la neige qui est assez sympathique. Avec une petite déco sur le toit, apparemment. Faudra que je regarde le toit comment il est. D'accord, oui, pourquoi pas. Ok. Ok. Hyper. Oh, mais c'est de l'allemand ça. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vivarium. Chrissy. On est chez les. Oh, elle est magnifique. Oh pardon. C'est quoi ce pelage? Serilaf. C'est pas de l'albinos? Non. Ah ouais, non mais j'avais. Attends. Pourquoi j'ai des pelages? Attends. Le cétique pelage blanc. Waouh. Ils sont très très beaux. Est magnifique. Et l'enclos est très sympa. Oh. Ok. Il y a que. Il y a que ces deux-là. Ok. La petite rivière, c'est sympa. Non, j'aime bien. Les enclos sont assez sympas. Dommage pour les clôtures. Faudrait mettre faire ses propres clôtures, même si ceux-là ne sont pas dérangeants. On va aller à gauche. Oh non, tu l'as pas. Et là, on va arriver à quoi? Oh! La panthère nébuleuse. Waouh! Waouh! Calme-toi! Comme toi, Zen. Ok. Wow, alors. C'est du workshop ça ou pas? Je pense pas, je sais pas. En tout cas, c'est terriblement beau. Ah ouais, le point d'escalade, il est assez ouf. Ah ouais. Il est très très beau. Hein. Ah, j'aime bien. Alors, oh là non, ça par contre faut faire attention. Mais le point d'escalade est vraiment très beau. Ça. Oula, il fait jouer à la Matrix ou quoi? J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. On va continuer. Ah, on arrive au taquin. Étrangement, je sais pas pourquoi je dis ça. Waouh! Est-ce que vous, ça vous le fait? Par exemple, avant, je connaissais pas le taquin. Je découvre sur Planezoo le taquin. Et, genre, une semaine après, sur YouTube ou autre, on me propose des trucs sur le taquin. Je sais, on va dire, t'es parano, on est écouté ou pas, ou quoi que ce soit. Non, non, mais non, mais non. Je trouve ça étrange. La dernière fois, je parlais de raclette, que je voulais manger une raclette qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà qu'on me propose sur Bing, là je sais pas quoi, là, différentes recettes de raclette.
Moi, je dis qu'il y a quelque chose quand même. Nous ne sommes pas seuls. Mais l'enclos taquin avec la neige, ça rend bien. Dites-vous que la neige, ça va vous permettre une chose, c'est de pas vous embêter en fait avec les besoins du terrain. Si l'animal a marqué neige 100% avec le marron, vous en foutez du reste, vous mettez la neige et basta, c'est fini. Et après vous décorez à votre façon. Oh trop cool, il joue la bobale. Enfin il veut manger surtout. Et ouais là. C'est des eaux qu'on voit pas assez souvent, les eaux polaires. C'est triste à dire, hein, mais c'est vrai. Après, ça fait très bizarre de voir la tortue d'Hermann dans un coin désertique, au milieu du truc polaire. Regardez, elle est toute mignonne. J'adore ce genre de tortue. Pareil, j'en voulais une, mais je crois que c'est interdit d'avoir des tortues terrestres chez soi. Et de mon côté, je suis très, très, très... Moi, s'il y a un truc interdit, je le fais pas. S'il y a un truc qui est interdit, mais je le fais pas. S'il y a un truc qu'on peut faire, mais si tu vas trop loin, c'est interdit, je le fais pas non plus. Et donc, je fais gaffe à tout. On a un petit restaurant là, qui est plutôt stylé. Et le restaurant. Il est très sympa. Avec la petite. Ah, une double jardinière, ça c'est intéressant. J'aime bien ça. Oh, un petit truc igloo. Ok, là, c'est par là, c'est le staff. Sauf là, on a encore un truc tropical. Oh là là, le Saiga, on le voit tellement peu, ce Saiga. Pour vous dire qu'on le voit tellement peu, au bout d'un moment, je l'avais totalement oublié. Et pourtant, attendez, j'ai fait Europe sur le Blossom, j'ai fait Europe, Afrique, Asie. Est-ce que je l'ai mis dans mon zoo? Je sais même plus. Mais c'est dommage qu'on l'oublie tellement vite. Et moi, je l'oublie. Vous vous en souvenez du Saiga ou? Moi, je l'avais totalement oublié, quoi. Pauvre bête. Donc, en fait, le zoo a ce gros bâtiment en plusieurs exemplaires avec des animaux qui ne survivent pas à la neige pour les présenter. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est sympa. On va faire demi-tour parce que j'ai vu... Enfin, j'ai entendu. À mon avis, ça doit pas être là. Non, c'est pas là. Et j'avais entendu le petit renard polaire. À la place, on a le sanglier. Oui, le sanglier. Et le bison européen. Oui, ils peuvent vivre dans la neige, en effet. Je suis en train de me poser la question pour le sanglier. Oh, attendez, un bison à pelage blanc là que je viens de voir là. Ah là, oh ouais. Le petit marcassin. Tu fais quoi là? Ouais, doucement là, en dessous du bison. Là. Vous n'êtes pas de la même espèce? Encore? Et vous jouez en fait à... Comment ça s'appelle le jeu où on passe en dessous des jambes là? Ok, ça doit être de la vraie neige, parce qu'il n'y en a pas en bas. Sympa, il est sympa ce petit enclos. Il y a beaucoup de décoration aussi sur le côté, enfin de végétation, c'est très bien ça. On arrive à un autre enclos. Ah ça c'est du renard polaire ça. Ça c'est du renard polaire. Où es-tu mon petit lapin? Tu es là. Oh regardez. Adorable. Trop mignons.
Ils ont un très très grand enclos pour eux. Ce qui est plutôt cool. Mais j'aime bien son enclos, non? Oh, c'est joli. J'avais pas vu dessus. Ok. On continue. Quand même beaucoup de sapins de Noël. Nous avons. Ça doit être le tigre de Subéry, je pense. Avec une petite grotte. Un petit point d'escalade. Ça va, mon grand? C'est toi qui fais ce bruit de. De grognon là? Il fait le fier. Il y a un truc qui m'intéresse là-bas. Ça m'intéresse fortement. Je pense qu'on va avoir des petits manchots. Manchots royaux là-bas. Ok. Bah oui, hein, obligé. Le petit mouflon de dalle. On était un peu obligé de le voir ici. Comme les rennes, ça m'étonnerait pas qu'on les voit. Et l'ours polaire sûrement aussi. Mais ouais. Bon, ils ont de quoi grimper. Ça a l'air de leur convenir. Ça me va. Petite montagne là. Même des marches pour qu'ils puissent grimper. Oh, pas mal la hache là. Pas mal. Oh, attends, mais c'est en fait comment? Ok. Chapeau de poteau, l'azuré, ok. Petit cordage et ça. Ok. Ok. Pas mal. Très belle hache. Très belle hache. Bah, on a fait un tour là. Attends, on est passé par là. Ah oui, on a peut-être fait le tour. On va juste aller voir à l'intérieur ce qu'il y a. On y allait par là? Ah oui, c'est le moyen, c'est le tigre. Et là, il y a le mouflon. Je suis paumé. En tout cas, ça fait très joli, là, toutes ces maisons côte à côte. Ça rend vraiment le truc très joli, avec toute la végétation, la neige. Moi, je suis content, là. Et il est content. Ouais, le blaireau, il est là. On n'a pas vu un truc, hein. Moi, je vais aller voir le... La sorte de pont, là. À mon avis, on va voir les petits manchots du royau. Mais sinon, les enclos sont assez agréables, sont très jolis. La déco, elle est très jolie, même si c'est du plein des eaux, c'est pas grave, hein. Vous pouvez le mettre, c'est du PZ. Cette maison est tellement belle. C'est du PZ, ça aussi. Nordic Coffee and Donuts, ouais. Elle est très belle. Hein. Ouais, punaise. Plein des eaux, il fait des choses. Ouais. Du coup, on a le petit tunnel. Et je pense que c'est pour voilà les manchots royaux. Je m'en doutais un petit peu. Pour avoir la vue sous-marine. Oh, quelle tristesse. Ah, quoi que, il y a des algues et autres en Antarctique ou en Arctique, là, je sais pas quoi, sous la glace. Je sais pas. Je sais pas du tout. Lui, il est albinos. Enfin, il y en a beaucoup qui sont albinos. Ok. Attends, on va passer par là. Harper, Joshua, Pénélope, Harper 2. Harper, apparemment, n'a vraiment pas eu beaucoup de chance. Il est venu deux fois, il est mort deux fois. Ok. C'est mignon, ça va. Original pour dormir là.
Ok. On va prendre de la hauteur, voir si on a tout exploré. Alors, c'est un mini-zoo, d'après ce que j'ai compris maintenant. Mais, ça va, il y a du taf et moi, ça m'a fait plaisir de visiter un zoo sous la neige. Je vais juste vérifier un truc, on sait jamais. Ça fait joli, hein. On a envie de... d'être à Noël déjà. Hein. N'empêche, c'est dans 2 mois. Hein. Enfin... Ouais, quasiment. Oh, faut que je pense à acheter le calendrier de l'Avent. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Faites-moi des zoos enneigés, s'il vous plaît. Ce serait gentil. Des zoos sous la neige. J'aimerais bien. Bref, en tout cas, moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.